Sophie Marceau revient sur les pénibles souvenirs du tournage du film Police de Maurice Pialat, sorti en 1985, et de cette époque où le réalisateur et l'acteur principal pouvaient se permettre tout ce qu'ils voulaient sans que personne ne dise rien. L'actrice n'avait que 18 ans à l'époque et elle était très populaire depuis le succès de La Boum. Sur le tournage, Depardieu avait installé une relation de pouvoir avec Sophie Marceau, qui était à peine majeure. Il semblait vouloir l'humilier perpétuellement. D'abord, il aurait mangé des escargots juste avant de tourner une scène dans laquelle les deux acteurs devaient être très proches dans une voiture. Il voulait bien sûr imposer à sa partenaire de jeu son haleine épouvantable. Plus grave, dans les scènes de lit, sous les draps, il aurait posé ses mains sur la jeune actrice avec insistance et omniprésence. Pialat et Depardieu ont exagéré. Par exemple, lors d'une scène où Depardieu devait gifler Sophie Marceau, Pialat lui avait demandé de donner une vraie gifle. Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Après avoir reçu de nombreuses claques, Sophie Marceau s'était effondrée en larmes. Et elle avait bien dénoncé ses agissements, mais tout le monde l'avait méprisée, sinon ignorée. En 2015, Sophie Marceau avait qualifié Depardieu de prédateur.